Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur Cities Skylines. On se retrouve aujourd'hui pour... Oula, ça gueule d'un coup. on va essayer de régler du trafic. Hein. Le trafic, c'est toujours notre petit problème actuellement. Alors, on a du problème, on a ici un problème et on a surtout... Alors, on a là, mais principalement ici en fait. Oui, ici ça bloque et ça bloque tout. Donc si on débloque un peu là, ça devrait aider. Donc on va commencer ici. On va commencer par dire tu forces un peu, t'inquiète pas, ça va aller. Voilà. Petite question, on va laisser quand même faire ça. Là, on va lui dire d'avancer, de pas avoir peur d'avancer, hein, clairement. Alors, vous avez vu ce monde? C'est quand même fou, hein. Ce monde, moi, ça me rend dingue. Alors, en soi, ici, ça va... Vous voyez, ils ont du mal à démarrer. Donc, je crois qu'on va dire, genre, lui peut aller là et là. Et lui peut aller là et là. Comme ici, ils doivent quand même aller par ici, ils vont devoir choisir directement là. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que donc, est-ce qu'on fait que cette bande va d'office par là? En soi, ça va ici, hein, ça se passe assez bien. On pourrait presque dire d'office que cette ligne-là va là, et celui-là, ben ça. Ouais, on va tester. On va dire que lui va là, et lui, il va là et là. Et vous voyez ici, ça bloque. Je crois que je vais... dire qu'ici... Alors, on va mettre sur pause. On va dire que lui peut aller là. Lui peut aller ici. Et lui peut aller là. Et on va dire que ici... Soit il peut tourner là, ou alors il peut tourner ici et aller, bon, on va dire là. Et même chose, hop, hop. Voilà, on va tester ça. Pourquoi? Pour essayer de, en fait, les faire un peu... Allez. Les faire aller plus rapidement sur le point. Alors, ça a pas l'air de trop bien marcher. Est-ce que j'avais mis une priorité? Ah, j'avais mis ça. On va enlever ça une fois. On va voir un peu ce que ça donne. Ça, on va laisser faire. Je vois ici que ça bloque un peu, mais on va un peu tout laisser. Là, ça ralentit pas mal. Et ça m'embête un peu. Dans le sens où lui... Voilà. Allez, allez. Parfait. Faites-moi voir ce que ça a donné. Comme ils peuvent aller sur les deux bandes, mais peut-être que ça a un peu aidé. Ah ouais, ça bloque un peu quand même dans ce sens-là, en fait. Ok, on va laisser faire ça et on va un peu regarder par ici. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les deux bandes. Il y en a un ici qui voulait tourner, apparemment, est-ce que je comprends? Ok. Alors, ça va comme ça ici. Et là, ouais, là, ça déconne. Hein. En fait, ici, un rond-point serait parfait. Est-ce qu'on doit en faire un déjà maintenant ou pas? Je crois. Hein. Le problème, c'est qu'on a ici notre université. Mais il va falloir le faire, je crois. Alors, juste, on va devoir... je vais mettre comme ça. Mais voilà, il va falloir qu'on règle ce problème-là. On va aussi devoir déplacer du coup notre université, notre institut des arts créatifs. De toute façon, ce qu'on peut faire... Hein. Alors, petite route, voilà. Câble de trolleybus, sens unique.
Ouais, donc on peut pas. J'allais dire, on va essayer de faire une. Allez, une route spécialement pour les trolleybus, mais il n'y a pas. Donc on va juste transformer le tout. Et voilà. Et ça va passer. Alors on va voir un peu hein, ce que ça va donner. Ça va au moins nous aider à allez, à un peu tout bouger. Je vais placer du coup ça ici. On va voir ce que ça donne. Ils vont pas être contents, mais ça va. Niveau bus, c'est acceptable. Ah oui, du coup, oui. J'ai changé le sens, mais pas trop non plus en fait. Attendez, quoi? Ah ouais, ok. Voilà. C'est mieux comme ça. Alors, on va pas trop regarder maintenant parce que ben, ça va être compliqué de voir un peu. On va attendre un peu que tout reparte. On peut peut-être voir un peu ici comment ça se passe. Alors, on pourrait mettre plutôt deux bandes là. Parce que ça a l'air quand même d'un tout petit peu. Non, ça va encore. Franchement, ça bloque, mais ça bloque pas au point de. Allez. Au point de pas y arriver. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe là? Alors, ça ne veut pas. Ici, ça bloque. Ah ouais, ça bloque à cause d'ici. Ok, donc on va clairement dire là. Genre là, tu ne peux pas passer parce que t'as envie de passer. Ouais, du coup, on bloque énormément le. Quel bordel. What? Attendez, attendez. Ça, c'est vraiment un arrêt de bus. Ils sont 266 à attendre. Ouais, on dirait bien. On dirait bien. C'est embêtant ça. C'est embêtant parce que j'ai créé encore plus de problèmes du coup. Parce que du coup tout va se bloquer à cause de ça. Alors ça commence à bouger. C'est déjà ça. Mettre un arrêt là, c'est une très mauvaise idée. Je déplacerai bien l'arrêt bientôt. Oh. Bon, au moins il y a plein de monde, hein, mais. Oh là là là. Ah oui, c'est. Oh. C'est trop bizarre, genre, on a un blocage là. Donc ça va être sûrement quelque part là. Espérons que ça va aller, hein. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ici, on va un peu changer tout ça, hein, parce que ça va pas. On va dire qu'il va là, et lui, il va par ici, lui, il va par là, et lui par là. Alors, on peut dire après, tu changes de bande comme tu as envie. On va tester, voir un peu si ça se passe, mais au moins, on a un petit mouvement qui va aller mieux. Alors là, ici, ça va mieux. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On a toujours autant de monde sur notre zone ici. Est-ce qu'on sait savoir ce qu'elle nous rapporte ou pas? Non. On n'a pas beaucoup de touristes. Visite touristique à Donadère, 57, c'est pas énorme. Alors j'aimerais juste savoir quand il passe genre là, c'est pas pour faire. Ouais, ok. D'accord qu'il y a quand même certains qui vont de ce côté-là, quoi. Et donc on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et pour moi, on a encore trop de monde. Je crois qu'on a beaucoup trop de monde sur les. Ah, ça va déjà beaucoup mieux. Alors on va voir un peu comment. Ouais, ici ça déconne à fond, mais une fois que ce sera réglé là niveau trafic. Alors, ouais, peut-être pas en fait. Ok, c'est une Chirpnedo, pardon. Bonne nouvelle.
Alors, on va un peu voir comment ça va se passer parce que vous voyez ici ça bloque pas mal. Ça m'embête beaucoup en fait parce qu'on crée vraiment un énorme problème vu que alors je vais peut-être juste enlever le fait de dire vous avancez comme ça il laisse toujours un espace là et ça devrait le faire pour que ça aille un peu mieux. Donc ici il se remplit à fond, un peu trop je crois. Alors est-ce qu'on aura... On va peut-être devoir changer pour autre chose, hein, genre pour un tram ou même mettre un métro, mais ça va pas. On a beaucoup trop de monde en fait ici. Du coup on a des problèmes de poubelles, on a des problèmes de mortalité, donc on va avoir de gros problèmes. Pour ça, qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, on va devoir changer. On va devoir mettre déjà. Si on met nos arrêts un peu plus loin, ça va déjà aider, je crois. Alors, avec un peu de chance, ça devrait aller. Et on peut dire que les deux bandes ici peuvent tourner aussi. Genre, ça peut peut-être aider. Ok, et là ça a l'air de... Ça a l'air d'aller un peu mieux. Alors, on va voir, hein, on a quand même un beau petit trafic ici, mais... Même chose, hein. Ça, ici, on va dire qu'il faut pas avoir peur d'avancer. Mais surtout, on va forcer à avancer, parce qu'il veut tourner, mais je veux pas qu'il tourne, moi. Genre, on s'en fout qu'il tourne. Hop là. Voilà, alors là on laisse l'espace, hein. Comme j'avais dit, c'est toujours mieux. Alors, sauf s'il s'arrête H24, parce que maintenant on n'a plus de problème. Parfait, bah écoutez, ça a l'air d'être assez bien, de s'être bien mieux passé. Alors on va voir, hein, comme on avait limité le trafic là, peut-être que on va réavoir du problème. Ici on a moins de monde, alors je déplacerai bien l'arrêt. Je sais pas l'impact que ça va avoir, mais... Allez, on va le déplacer là. Et on va au pire faire juste un truc pour traverser ici. À voir si de nouveau ici on ne doit pas enlever le fait qu'ils puissent traverser et les faire traverser ici. On peut essayer, hein. On peut clairement essayer de faire ça. Alors oui, aujourd'hui c'est un épisode... ouais. Un épisode spécial, spécial trafic. Mais il faut, hein. Il faut clairement. On va pas se mentir, c'était quand même assez le bazar. Tac, on va là et on va le faire remonter ici. Parfait. Et comme ça, ici, on va empêcher de traverser. Le monde à chaque fois qui arrive, c'est fou quoi. Est-ce que niveau monde, on est un peu mieux? On est quand même bien mieux. Peut-être qu'on devra mettre moins que 25. Parce que vous voyez, ils sont pas tous plein, plein, plein. Donc ça va déjà beaucoup mieux. Ici, il y a énormément de monde. Là, du coup, il peut avancer sans trop de soucis. On peut aussi... Alors, on va pas lui dire de forcer de passer parce que ça a l'air de quand même aller. Même chose, là j'hésite à les faire passer en sous-sol. Alors ça ralentit pas trop donc ça va. Mais ici on a quand même ce petit souci-là. Hein. Et j'hésite clairement à forcer d'aller à droite en fait. Je crois qu'on va faire ça. On va les forcer tous les deux. Alors normalement, en théorie, je devrais mettre plus de voix. Parce qu'on est à 4 voix enfin 2 et 2, ça ferait 4. Donc ce qu'on va faire, c'est on va dire... Ces deux-là vont là et ces deux-là vont comme ça. Alors,
on va voir ce que ça a donné. Je suis pas trop sûr du résultat, hein. Clairement, j'ai envie de. On va tester. Je peux pas vous dire ce qui va se passer. On a, voilà, on voit qu'il y a du monde. Ok. Il nous reste 5 minutes. On peut peut-être réfléchir. Alors, on voit ici qu'il y a quand même beaucoup de problèmes à cause de ça. On peut peut-être réfléchir à justement lier cette zone. Parce que vous voyez, tout passe par ici en fait. Et c'est peut-être une de mes erreurs. C'est de se dire, ben, on aurait peut-être dû faire que là, il puisse encore passer. On peut tenter le coup. On peut essayer. Et on va prendre ça. Et on va repartir ici en sous-sol. Voilà. Hop. On passe par ici et on fait ressortir là. Je sais pas si ça va aller ou pas, mais au moins ce serait intéressant. On risque d'avoir quelques morts du coup. En fait, on va avoir beaucoup de morts si on n'a pas ce trafic qui va un peu mieux. Alors en vrai, je devrais mettre 3 bandes, mais je peux pas mettre 3 bandes, c'est pour ça. Ouais, ici c'est le bordel. En vrai, les trolleybus, je suis pas sûr de leur utilité parce que ça reste quand même être sur la zone. Ça va être sur la zone. Comment dire? Ça se reste être sur la route et c'est ça le problème. Est-ce qu'on penserait aux trams? Mais encore une fois, les trams, bof. Alors les trams c'est bien, mais ça fait du bruit. Mais... Ok. Oh. Et regardez-moi tout ce trafic là, à cause du coup de notre trolleybus. On va régler ça. Détail de la ligne, on va diminuer quand même les bus à 250%. On a de toute façon trop. Donc on va passer sur des trams. Les trams, quel sera l'avantage? C'est qu'on va avoir, ils vont avoir leur propre ligne. Et donc ça va nous aider en fait. Donc, on va dire adieu au trolleybus. Après, les trams font du bruit. Mais on n'a aucune autre bonne solution, je crois. Non. On va aussi pouvoir peut-être mettre des services postaux. Ça peut être sympa. Parce qu'en fait, tout se passe bien, sauf ici, en fait. La zone où il y a plein de monde, ça ne va pas. Ça ne veut pas. Alors on va peut-être attendre le temps que ça aille un peu mieux. Genre que tous les autres bus soient rentrés et on va une fois voir ce que ça a donné, mais j'ai un peu peur. J'y pense à ça. Est-ce qu'on a un dépôt d'hélicoptère? Je crois qu'on a que des pompiers, mais pas en hélicoptère. Ah, on en a là, mais on en a que 3. On devrait peut-être en mettre encore un. On va essayer de le mettre quelque part d'intéressant. Alors là, on va pas pouvoir malheureusement. On pourrait peut-être le mettre de nouveau ici en face. En espérant qu'on n'ait pas trop de problèmes. Là, on a quand même un gros problème de mortalité. Je vais rajouter. Je vais rajouter. Ah ben en fait, on n'en a pas du tout. Oh! Aïe 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 aïe. Ouh, j'ai pas très bien fait ça. Je croyais qu'on en avait en fait. Donc on va en insérer quelques-uns. Hein. Histoire d'être sûr. Et je vais encore peut-être en rajouter encore un, genre ici quelque part, genre là. Histoire de dire que. Ok, donc là on a une petite vague de mortalité. Ici, comment se passe notre trafic? C'est toujours un peu le bazar. On a combien? 73, ouais, c'est toujours ici un bazar total, trop de passages, trop de monde. Je sais pas. Vous m'avez dit de faire une sorte d'autoroute, pardon, ici. Ce serait pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée et en même temps,
Au final, il me faut juste en fait. En fait, il faut juste que je réussisse à faire qu'ils avancent un peu plus vite. J'envoie ici. Ils pourraient clairement. Je pourrais leur dire clairement, allez, allez-y, quoi. C'est comme ça bloque ici, ça bloque aussi tout le long là, jusque. Ben jusque là, hein, jusqu'ici. Donc, c'est un peu le bazar. Là, par contre, c'est vrai que c'est un autre débat. Je sais pas trop ce que je veux faire. Je réfléchis. Je réfléchis, je continue de réfléchir et voilà, on verra bien comment ça va se passer parce qu'on a quand même du monde hein, qui passe par ici. Hop. Je sais, mais je suis pas très clair, je suis d'accord, mais voilà. En fait, c'est notre zone là qui amène vers énormément de monde. Donc la grande question va être, est-ce qu'on devrait pas faire une. Je vais pas dire une sortie parce que c'est peut-être pas la bonne idée. Mais une route express. Alors qui traverse là, ça ne servirait à rien. Ah, rapport d'année. On a un petit rapport d'année. Académie. Quoi? On n'a pas. Académie des arts. Ah, il y a 2 ans, ouais, non, c'est vrai. C'est pas possible. Elle n'existait pas. Et là, on a perdu 1109 habitants. Étudiants? Mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'ils sont partis en part. Non. Je sais pas pourquoi on les a perdus. C'est pas cool ça. C'est vraiment pas cool. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et j'espère qu'on va réussir à régler ce petit problème-là. Et bah du coup, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!